Bonjour à tous, bienvenue sur Factor. C'est Bilou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tu connais. Et on va découvrir ensemble Katana Zero, un jeu qui est sorti vendredi dernier, si je ne m'abuse. Et j'ai pas eu le temps de vous en faire un test, donc je me suis dit qu'on allait découvrir ça ensemble. Donc c'est un jeu qui est développé par ASCII, je crois que c'est ça, et édité par Devolver. Et on va attaquer ça tout de suite ensemble. Plus que 10 jours. Alors, X. D'accord, X pour dévier les balles. Présent, ça va. Première fois que tu joues, ouais, exact. Salut Phil. Ouais, j'avais vu ça en scrim. Je me prépare à entrer. Éliminer tous ceux qui vous gênent, d'accord. Pas de survivants. Ok. Alors. Je l'ai fini il y a 2 jours. Bien aimé. Ok, d'accord. Très bien. Cachette de l'usine. Puis sur attaquer pour planifier l'attaque. D'accord. Pour l'instant, ça va. Pas trop compliqué, mais j'imagine que ça va rapidement se complexifier. Et oui, alors une fois qu'on a fini, ça j'avais déjà vu ça sur le jeu, c'est une fois qu'on a fini le niveau, on a droit à un joli rembobinage. D'accord. Ah, les petites gerbes de sang là, c'est assez sympathique. Non, d'accord. Ah, je fais n'importe quoi. Alors. LT. D'accord, ok. Ok.
Ah, d'accord. Charmant. Voilà, classique. Blague. Ah, c'est classe ça. Il y en a qui font la bringue à côté. Ouais, c'est du joli pixel art, c'est bien animé en fait. C'est très joli. Et puis l'éclairage là sur la tête du perso, bah, je trouve ça vraiment classe. Un scientifique du gouvernement disparu depuis 3 semaines. Allez, commençons. Je joue à level. D'accord, donc c'est son psy slash docteur slash donneur d'ordre. Ok.
Ouvrir le dossier. Là, je suis un milliardaire et philanthrope reconnu qui a fait fortune dans la technologie, président de la Fondation de la Nouvelle Mec pour la construction, implication clandestine dans le trafic de matériel et de drogue, militaire, très bien protégé, soyez prudent. 56 ans, je viens de contacter le code. Ok. Eh ben c'est parti. C'est bizarre, j'ai des petites saccades là dans le jeu. Je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est assez désagréable. C'est du cosplay, bien sûr. Pikachu. Oh mon dieu, pourquoi j'ai commencé ça? Pourquoi j'ai commencé ce bobard? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. D'accord. Ça, c'était prévisible. Le dragon. Ah oui, ça c'est quoi ça? B. Ok. Ah, c'est chouette ça. Ah mais pourquoi il me chope à distance là? D'accord, faut vraiment que je pars ses attaques, quelque chose dans le genre en fait. Merde. D'accord, on peut avoir qu'un objet à la fois. Ah mais toi j'arrive pas à te tuer hein. C'est incroyable quoi. J'ai... Autant toi j'y arrive, mais toi... Bon tant pis, on va utiliser ça. Oh non, j'ai mal visé en plus. Quel guignol. Décidément. J'arrive pas à comprendre le... Faut que je recule à chaque fois pour le... Ah! Bon sang de bonsoir. C'est bizarre, il y a des fois où il part, des fois où il part pas, et pourtant je suis à la même distance. Hein. C'est un peu étrange ça. Bon, au moins je me suis débarrassé de ce gus. Bon, alors, Fid, qu'est-ce que tu me... Ah, quand t'es juste en dehors de sa portée, d'accord. En fait, moi aussi, j'ai une allonge... Moi aussi, j'ai une allonge qui me permet de le toucher, même si je suis pas à sa portée, c'est ça que tu veux dire?
Ok. Ah. Y a pas des trucs cachés, non, y a rien de caché. Alors, t'as plus d'allonge que lui, d'accord, ok, ça marche. Ou au pire, quand t'es à sa portée, tu attaques, il bloque, tu peux l'attaquer pour l'équipe. D'accord, ok, ça va. Bon, en fait, c'est ce que je me posais la question, savoir est-ce que moi aussi, j'ai une allonge un peu pétée, qui me permet de les toucher, Ouais, là, j'étais un peu trop gourmand. Faut vraiment que je mette. C'est quand même giga bourrin et il y a des moments où. Où tu comprends pas tout ce qui se passe à l'écran. Mais bon. Personne ici? Voilà. Intéressant. Ah ouais. Oh non! Oh non. Il a pas fait l'animation de sortir de là. Allez. Ah, la porte s'est pas ouverte. Ah mais pourquoi ça me dépasse un peu en fait. Le timing me dépasse un petit peu parfois. Mais bon, ça doit être moi qui J'ai des vieilles saccades un peu dégueulasses là. C'est un peu désagréable en fait. Ah zut! J'ai avancé trop là. Mais non, je m'y prends trop en avance. Je vais activer la vessing à tous les coups, c'est ça en fait. Est-ce que j'ai activé la vessing? Mais non, mais quel crétin! On va y arriver. Non. Je ne vais pas y arriver. La vessing, ça change rien. Sur ces saccades, c'est assez étrange.
C'est pas possible. C'est pas possible là. Oh non, j'étais presque arrivé quoi. Ouais, bah, je suis bête, moi. Je suis un peu bête. Je suis un peu bête, en fait. Voilà, ok. Par l'ascenseur, on est civilisé. Le bullet. Ah, le bullet time! Mais oui! Mais oui, j'ai oublié le bullet time! C'est quoi le bouton pour parer les balles déjà? Interaction Y. Ouais, ça doit être Y. Non, c'est pas Y. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Roulade pour traverser les tirs de shotgun. Ok, je comprends mieux. Ah, bien, en plus, on peut faire des... Ouais, voilà, c'est ça. On doit pouvoir faire des 100%. J'imagine qu'il y a des belles petites stats. Il se passe quoi ici, là? Ok, d'accord. La gamine. C'est bien les pires.
Intéressant, et j'imagine que l'histoire se façonne au fur et à mesure des séances chez le psy, et c'est un peu toi qui te façonne ton histoire. Et oui, cette nuit, ils sont revenus du cauchemar. J'ai évité de lui en dire trop parce qu'à tous les coups, lui aussi me manipule. Allez, c'est quoi le dossier aujourd'hui? DJ Electrohead, en vogue du très chic deuxième district impliqué dans un trafic de drogue festive. Faiblement protégé mais entouré de fêtards, une grande finesse est requise pour l'éliminer tout en discrétion. Menteur pathologique, ne lui parlez pas. Très bien, ok. Y aurait-il de l'infiltration dans ce jeu? Ça va être difficile de s'infiltrer en tant que ninja. Ah, mais d'accord, ok. Ah, c'est sympa. Ouf, c'était moyen. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa cette petite phase là d'infiltration. On peut passer là? Non, on peut pas. Bien sûr.
D'accord, ok. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes invincible quand vous faites une roulade, effectivement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, ça se complique un peu là. Tac. Mais non, je savais qu'il fallait le... Il y a vraiment le côté Hotline Miami... D'accord. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors ici il y a quoi là? Ah ouais, excellent. Ça c'est pareil, j'imagine que ça va avoir une incidence sur le gameplay. On va pouvoir péter ça pour se faufiler au nez à la barbe des gus là. Les éclairages sont un peu pétés là par contre. Les God Rays là, ils sont un peu chelous sur les bords des persos. Merde. D'accord, t'étais vivant ou t'étais mort. T'as peu d'action, mais ça te permet de faire face à des situations. Que tu crois... Ouais, mais en fait, je trouve y a un vrai côté Hotline Miami. Voilà, c'est ça. Tu rentres vite dans la zone. En fait, à partir du moment où tu es dans la zone, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est ce que j'apprécie aussi chez Hotline Miami. Même si je trouve que. Enfin, moi, il y a eu plein de débats à ce sujet-là entre moi et des potes. Et je trouvais que le 2. Le 2, il avait ajouté trop d'aléatoires. Et du coup. Les combats pouvaient devenir assez chiants en fait par moment. Parce qu'il y avait. En fait, le 1, il y a juste la dose d'aléatoire qu'il faut. Alors que le 2, il manquait. Merde. Il manquait. Enfin, il y avait trop d'aléatoires pour le coup. Non, là, c'est débile ce que j'ai fait. Alors. On va péter ça. Voilà, ok, ça c'est pas mal. Et ça aussi c'est pas mal. Ah oui, mais il y a le... Il y a le laser là-haut là. Alors, et la zik est chouette, donc ça permet de bien entrer dans... Ouais, la zik est chouette, et puis le petit effet de sourdine là, derrière, il est vraiment, vraiment cool. Ah! Je vais trop rapidement en fait. Non, il faut que je fasse L et R direct en fait. Ok, je vais reprendre ça. Est-ce que je peux direct viser ça? Ouais. Ok, bon, on est pas mal là. Bon, là je pourrais pas passer. D'accord.
D'accord, il y a un peu de monde là. La pompe à Dour. File-toi cette bière, mon coco. Est-ce que vous allez bouger, vous, ou pas? Riki, Rikiki. Non, vous bougez pas? Restez là? D'accord, ok. Merde. Non! Mais non, je savais qu'il allait tirer lui. N'importe quoi. Allez, on leur fait. Zut. Allez, accouche-toi. Ah merde! Ok, donc faut juste faire ça. Ok, pour ça. Est-ce qu'on peut... J'imagine qu'on peut faire ça, ok. Pour descendre, c'est juste ça, d'accord. Voilà, c'est ce que je veux faire. Voilà, nickel ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Le contrôle de foule en se baladant dans les lieux, c'est assez sympathique en fait. Et ça, pour le coup, je trouve ça plus sympathique sur un plan... sur un plan 2D plateforme que sur la vue top-down de Hotline Miami. Je trouve que c'est plus agréable à se déplacer, se faufiler dans les niveaux. Sais pas ce que t'en penses, Fid. Lui parler pour moi. Dans ton conteneur. Voilà. Voilà.
Voilà, donc voilà. C'est bien ce que je me disais. On se fait manipuler par l'autre con là, qui nous injecte sa drogue. C'est bien ça pourquoi. C'est même pour ça qu'il nous disait de ne pas lui parler. Tes gars sont morts, Gus. Allez hop, on va voir ce que ça fait si on le laisse filer. D'accord. Donc on n'était pas les seuls sur le coup. Tu cherches la merde, c'est ça? Oh mais non, ça c'était évident qu'il y avait un Gus qui allait sortir de nulle part. C'était juste évident. Non. Allez. Ah, on peut pas leur échapper, hein. Ouais, le bullet time, ouais. J'y pense pas assez souvent, en fait. Vous avez négligé votre devoir. J'aime pas qu'on me traite comme un toutou, là. Ça l'a pris de donneur d'ordre. Je mène une enquête avec mon ami. Dis bonjour, Behemoth. Sympa, merci. C'est là. Sous le canapé. Youpi, j'ai trouvé les Léviathan. Avec le petit bras en l'air à la Zelda.
Ouais, un peu de thé. Et maintenant, au dodo. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Donc elle s'est transformée en Léviathan, elle. Toi, j'ai envie de te buter. Répondez à ma question. Alors, eh ben oui, je vous avais dit de ne pas parler à Electroed. Tais-toi. Est-ce qu'on peut le mettre en rogne Arrêtez de m'interrompre, merde! Et juste ferme-la quoi. C'est l'heure de partir, ne bougez pas. Voilà. C'est l'heure de partir, mais quand même, tu vas me shooter avec ta saloperie. T'inquiète, t'inquiète. Je reviendrai pour toi et je te ferai la peau. Dragon. Dommage que je puisse pas te découper, toi. Alors, next up, Fa Yang. Dissident politique, lanceur d'alerte, de rédacter dans témoigner devant un tribunal militaire, cible à éliminer au plus vite, les dommages collatéraux sont inacceptables. Furtivité et discrétion seront nécessaires pour éviter d'autres morts inutiles. La traduction est différente. Ah! Pourquoi il y avait un... Comme l'a dit votre dossier, que la cible de votre mission est Fayon. Les autres doivent être épargnés. Ici, je n'ai pas le choix. C'est une opération très simple, tâchez de ne pas la compliquer. En anglais, on ne devait rien t'appeler du tout parce que t'es censé être un assassin discret, donc personne ne doit savoir que t'es là. Et pas pauvre minable. Alors peut-être c'est pauvre minable, peut-être qu'il s'est énervé parce que je lui dis de se taire pendant tout le truc, non? C'est peut-être pour ça aussi. Ok, d'accord. Toi aussi, t'avais voulu foutre la merde, c'est ça, hein? Ah, sympathique. Y a déjà quelqu'un qui est passé par là. Charmant. Bah en même temps, quand tu commences à piger, que tu te fais mener en bateau, t'as juste envie de lui faire fermer son caquet.
D'accord. J'imagine qu'il y a des trucs cachés quelque part par là, non? Non, c'est juste pour le fun. Il y a bien un truc caché. Il y a bien un truc caché. C'est failli, hein, son corps est encore chaud. C'est super classe quand même, hein. Franchement, c'est le jeu, il est vraiment vraiment chouette. La direction artistique, elle est vraiment cool. J'aime aussi le... Je sais pas, j'aime tout. J'aime le... la police de caractère choisie, la manière dont, dont c'est fait. Les éclairages, bon, qui sont vraiment chouettes aussi. Alors... Non. Ah mais non. Ouais, la musique, ouais. C'est dommage qu'on puisse pas juste les assommer. Leur mettre un coup de paumé d'épée là. Oh non, c'est injuste ça. Ah mais là c'était obligé là. Bon. D'ailleurs c'est un peu stupide que je fracasse la porte, il m'entend pas, et je fais deux pas à côté de lui, il m'entend. Ah non. Ouais, là je comprends pas trop ce qui s'est passé en fait. Genre j'ai fait une tonne de bruit à côté de lui, il a rien entendu quoi. On va attendre un peu que l'autre termine son truc là. Ah j'aurais pu passer là, dommage. C'est quoi ça? Je me sens pas du tout, je dois être plus efficace. D'accord, donc en fait on va y aller à la bourrin, hein. On va pas se prendre la tête. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'emmerder avec ça? Je t'en... Ok, d'accord. Perte de liaison vidéo, d'accord, ok, évidemment. Et tu l'avais fait en 100% fufu, celle-là ou pas? Bien, le jeu il t'oblige pas à quelque chose, ça au moins c'est quelque chose qui est assez classe.
Non. Mais non, mais non, mais non, mais non. N'importe quoi en fait. Ah non, pas assez de jeu. Ouais, ça prend du temps, ouais. Voilà pour le pour les besoins du stream, on va pas le faire, mais c'est vrai que là aussi le jeu il est assez généreux parce que tu peux parfaitement le faire sans fufu C'est assez chouette en fait. Les gars, tu veux te faire tuer ou quoi, c'est ça? Oh! Tiens, ça t'apprendra, espèce de gros con, va. Ah d'accord, on pourra refaire les missions. Tu peux les sélectionner individuellement quand tu es quand tu fais continuer. D'accord, ok. Qui te l'a donné? D'accord. Pas aujourd'hui. Tu veux? Allez, vas-y, entre et si ça se trouve, ça va être un truc dégueulasse. Ah oui, c'est vrai que lui c'est le super vilain en fait. Eh ben oui, ma grande. Je te l'avais dit quoi.
foncièrement. Yop, crime. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne à côté. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment vraiment sympa. Il y a de très bonnes idées. Ça reprend le principe de Hotline Miami dans un espèce de platformer. Et il y a vraiment de bonnes idées dans le jeu en fait. Après le scénario, je sais pas si je me trompe Phil, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez prévisible ce qui se passe. Mais ça n'empêche que c'est assez plaisant. Hein, voilà. Le pixel art est joli, la musique est très bonne. Les éclairages sont aussi sympathiques. Parfois ça c'est un peu pété, mais c'est quand même sympathique. Le putain de dragon. Il a des grosses interrogations, d'accord. Est-ce que j'ai vraiment envie de goûter ça? Le système de dialogue aussi est vachement bien foutu en fait. Parce qu'il est. En fait, il tolère ce que tu veux. Si t'as envie de tout bazarder et. Si t'as envie d'aller envoyer chier les gens, le jeu tolère ça et. Et a priori, il y a quand même des. Ça peut aller loin dans certains passages. Alors, pour les trucs de gamin. Je fais pas ce genre de film. Mais je t'ai rien demandé, mon gars. Je t'ai absolument rien demandé, mon coco. D'accord.
Mais oui, si je pouvais, je l'aurais déjà découpé. Ça n'intéresse pas. Il a refusé de s'étirer. Adjoncture. D'accord, on va te faire foutre. Non mais toi, tu t'imagines quoi en fait? Je vais devoir te faire la peau, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, bien sûr. J'avais oublié que vous visiez... Ok. J'aurais pas dû buter, moi, en coche privée, bien sûr. Oh. Chapelle de la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est juste un machin. Ah ouais! D'accord, ok. Ah, il y a vraiment... Oh, ça, c'était ridicule, ça. Il y a vraiment plein de trucs différents dans le jeu. Hein. Ça, c'est chouette, hein. Non, c'est pas... Juste R en fait. Non, R ça devrait pas... Bon, pas le choix, faut sauter. Ah zut. Hop. Voilà. Ah! Saloperie. Puis en plus, j'imagine qu'il faut pas perdre son temps là. Sinon, tu loupes ton wagonnet. Ah! C'est vraiment au millimètre près. Hein. Eh oui, raté. Eh ben ça. Pas que je perde de temps avec ça en fait. Ah, j'ai pas vu tes balles. J'ai pas vu ton deuxième tir à toi. Voilà. Oh oui, classique.
J'ai besoin du wagonnet pour continuer, en effet. Ah, je vais pas assez rapidement là. Il faut que je saute là. Allez! Zut. Ah mais non, fallait que j'attende qu'il passe au-dessus des rayons là. Allez. Ah oui, il faut marcher en fait. C'est ça qu'il faut faire. On va y arriver. Ah non, c'est pas par là. C'est pas par là. Ouais mais non. Oh mais non. Bon, et ben on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'on a, joué déjà un petit peu plus d'une heure. En tout cas, vous avez pu avoir une idée de ce qui vous attend dans, dans ce petit Katana Zero. Un jeu, ma foi, assez intéressant. Vraiment, en tout cas, le peu que j'ai joué la première heure, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, bon, on se retrouve... On retrouve cet effet de zone où quand on est dans la zone et qu'on en arrive à faire tout ce qu'on veut et finir le niveau en atteint un record, c'est assez jouissif. Hein. C'est vraiment l'esprit des Hotline Miami et autres Super Meat Boy, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est un jeu qui est sorti sur PC, Switch et PS4 je crois, en fin de semaine dernière. Et bah en tout cas, ça m'a donné envie de continuer, donc c'est une assez bonne nouvelle. Voilà pour ce Tu connais du mardi. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Factor. Ciao, ciao!